Tac, tac. Et quelqu'un. Oh, comment tu vas? Salut, ça va? Bien et toi? Vas-y, rentre. Merci de nous accueillir chez toi. Alors, c'est ici que tu crèches tous les week-ends de course, c'est ton petit chez toi. C'est ça, c'est mon petit chez moi, c'est là que toute mon équipe se regroupe vraiment. Ouais. Comment tu te sens? On sait que c'est un début de saison parfait. T'es l'homme à battre en fait, cette saison, Maximilien. Ouais, je suis l'homme à battre. Bon, après, je sais que j'ai des adversaires qui sont de taille quand même. Hein. J'ai Guillaume Pau qui est très vite. J'ai Guillaume Raymond qui est très vite aussi, donc ils vont me donner un peu de fil à retordre, mais. C'est bien, heureusement qu'ils sont là. Et donc c'est ici que tu fais tes siestes? C'est ça, c'est au-dessus là-bas, avant les courses, avant les entraînements, avant les qualifs. J'écoute beaucoup de musique. Ouais. Et ça écoute quoi? Il y a quoi dans la playlist de Maximilien? Ouais, dans la playlist de Maximilien, il y a Gypsy King. J'ai du Vald, j'ai Orelsan, Jacques Brel. Bah Jacques Brel, pour se mettre la patate avant les essais, c'est pas l'idéal. Non, Charles Aznavour non plus, hein, faut se l'avouer. Hein. Ah, ça dépend, il y en a qui sont un peu plus entraînantes que d'autres. T'as un rituel avant de préparer? D'habitude, j'en ai un, ouais. Et là, pourquoi il y a... Là, il est pas là, mon rituel. D'habitude, c'est ma sœur. On est tous les deux, on écoute des musiques à la con. C'est elle qui me fait mes playlists. Et quand je suis en train de m'habiller, on rigole, on chante, on danse tous les deux. Et... D'accord. Et voilà. Bon, ça je peux faire ta sœur. Si je te mets ça, ça te parle? Ouais, celle-là, je l'écoute tout le temps. Bah, allez, c'est parti. Hotlas est préparé. Allez, zou. Musique, du coup. On part. Techno, toujours pareil. Boum, boum dans les oreilles. Oh, Leslie, je te descends en box, tu viens? Allez, viens. Allez, tu m'offres un tour? Allez. Ouais, c'est pas ta moto, mais ouais, presque. Ça va être un peu moins puissant. Allez, on va au boxe. Ah ouais, parcours semé d'embûches quand même. Oui. Un vrai pilote. C'est ça. On essaye. Merci pour le petit tour. On va le laisser rouler encore. On va laisser rouler, ouais. Ouais, parce que là, si on l'arrête, il s'est pas encore mis dedans. Est-ce qu'il y a une petite angoisse quand même de voir son fils à atteindre de telle vitesse? Je pense pas forcément. C'est vrai que quand il y a des grosses chutes, là, c'est intense jusque temps qu'il rentre dans le box et puis on sait que c'était pas lui qui a chuté. Mais depuis qu'il a été équipé maintenant de son gilet, je dois dire que ça me permet de... Ah oui, franchement, sincèrement. Oui, je sens qu'il est quand même plus protégé. Vraiment violente la moto. Au niveau de l'avant, quand il tape le sol, il n'encaisse rien, j'ai l'impression. Au début d'année, Romain, tu nous disais prendre les courses les unes après les autres et pas penser à la victoire finale dans le championnat. Là, on est à mi-saison, t'es leader. Tu penses à Albi? Je continue de prendre course après course. Il faut essayer de toujours être le meilleur. Pas commencer à faire l'épicier, à compter les points. Je suis pas du tout comme ça. Moi, je vais essayer de marquer le plus de points possible. Et voilà, si je suis titré à Albi, ce sera super. Mais d'abord, on se concentre à essayer de faire des belles courses, course après course. Vraiment. Ce sera l'aboutissement à Albi, on l'espère pour toi. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci pour le petit tour en trottinette. Il va falloir bosser un petit peu la trottinette. Ouais. T'es pas mal sur la moto, mais la trottinette, pas encore. En tout cas, garde le sourire, ça te va bien. Pas de soucis, merci beaucoup.